Oula, attendez, pourquoi il se fait attaquer? Guerre sainte pour duché de Edessa. Ah oui, l'Empire arabe est pas si bien que ça en fait. Ils se font attaquer de partout, ils enchaînent les guerres depuis tout à l'heure. D'accord. Pourquoi les flânes de fer Visby? Non, bah non. J'ai aucune raison de se battre. Enfin, pourquoi je me battrais contre ma famille en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi je me battrais contre une branche cadette? Quel est l'intérêt? Si quelqu'un a l'intérêt, je prends. Hein, mais c'est le moment pour la guerre sainte. Je suis déjà en guerre, mais il a 8000 troupes. Le problème, c'est que si je fais une guerre sainte, tous les... Non, il n'y a pas tellement. C'est vrai que pour l'Égypte, ça serait le plus... ça serait loin de leur combat, mais on n'a que 5000 hommes. Après, on a l'ordre saint, notre ordre saint, nous, 2000 soldats, ça nous fait monter à... Ouais, si, si, c'est pas si mal. Ça pourrait se faire. Il faut qu'on finisse notre première guerre, quoi. Il a combien là? Il y a 8000 troupes. Il est en dette, ouais. Ça se tente. Après, est-ce qu'on peut l'attaquer? Eh non, je peux pas. Parce que j'ai pas Paragon de vertu. J'ai pas Paragon de vertu. Il me manque quoi? Eh, beaucoup. Ouais, mais les gens disent le contraire, mais ça empêche que... Comme j'ai... Comment ça, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Tu viens de casser de chez moi, oui? Là, on a 6 ans. Un raid de conversion par le Seigneur Lige. Attendez, 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 pardon? République? Comment ça, République? Et non, j'ai pas pris Gaza, Falseac, parce que c'était pas dans le casus belli. Comment ça, une République? Duchesse Marvena sur Irlande. Comment ça?
Piège et passage secret. Alors lui, il a quoi? Ah oui, il a encore plus de guerre. Et le problème, c'est qu'il me faudrait la dévotion. Alors comment je pourrais... Ah, est-ce que je peux partir? Ah, attendez, je peux peut-être... Bah, j'ai Jérusalem, donc je peux partir en pèlerinage à Jérusalem. Ma capitale n'est pas à Jérusalem. Ok. Ah. Opinion du clergé, méthodique, progression de la fascination culturelle. Ouais. Non, on veut juste pouvoir passer vite fait. Ah, j'aurais pu l'augmenter un peu plus, ouais, peut-être. Bon, déjà ça progresse. Survivre un enfant. Bon, bah elle est morte. Duchesse Jeanne. Ouais, on gère tout d'ici. Ok, on a sapeur qui est pas mal. Ah, il manque pas grand-chose. Il manque pas forcément grand-chose. Il me manque 101. Oh, j'ai encore plus de points. Allez, je suis à... Il manque 200 points. L'attaque progresse bien. Alors j'aimerais bien demander de l'argent à mon chef de la foi, mais pour l'instant ça sera non, puisqu'on a besoin de... Ah, je peux stocker. Je peux stocker les hommes. Non stationnés. Toc, on va les stationner ici pour l'instant. On a déjà des hommes stationnés en plus. Ok, le point martial supplémentaire. On a stratège. Soldat mort ennemi plus 25% traverse fleuve et détroit sans pénalité d'avantage. Très bien. On va aller chercher superviseur si on peut. Là, il nous reste quoi? 5 ans. On va après demander à Gaza de venir dans notre giron si on peut. Ah, il gagne quand même contre Edessa. Ah, mais. Chaud en fait. Histoire d'amour de la maison Flaffer. Celle-là. Porte-bonheur nordique. Ça, par contre, ça m'embête un peu plus. 1876. On va pas attendre 10 mois quand même. Je l'ai fait pour moi.
Tâche visant à convertir Jérusalem. Ça c'est fait. On va faire Tibériade. Ce qui fait chier, c'est que ma capitale est à Tibériade et pas à Jérusalem. Mais bon, en soi, est-ce que c'est bien grave? Mon fils, mon petit-fils, Agui, il va devenir un guerrier, ouais. Allez, je veux juste devenir. Mais lui, en fait, il a aussi ses alliés. Le problème, c'est qu'il y a les princes de l'Empire arabe. Et maintenant, c'est que des princes de l'Empire arabe, donc ça me dérange pas trop. Bernard de Pinsk n'a pas de successeur. Elle en est où ma légende? Ah, elle a commencé à se répandre quand même. Un protecteur du lieu saint catholique, elle s'est répandue un peu chez mes voisins. 22, c'est pas énorme, mais bon. C'est toujours ça. Et là, je suis à combien? Ok, il me faudrait 3 mois. Petit-fils. Nouvel atout en martialité. Augmenter le contrôle comptable plus 20%, je prends. On est à quoi là? Allez, il manque 3 mois. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire la guerre sainte là? Il a 8000 troupes. Il a moins 9000 balles. Ah, ici, il a 2000 d'ordre sacré. Le truc, c'est que s'il m'attaque, il va pouvoir prendre Acre tellement facilement. Mourant, même. Ouais, au seuil de la mort. Ouais, je suis au courant, ouais. Ok, j'ai l'icône glorieuse. On va pouvoir demander l'argent au pape. C'est pas un problème. Déclarer la guerre. Guerre sainte pour le royaume d'Égypte. Oh, si on l'a réussi, celle-là. Si vraiment on l'a réussi celle-là. Moi je vous dis, ouais. Bah, si on l'a réussi. Est-ce qu'on appelle des membres de la dynastie? Ah, on va se permettre de perdre la renommée. Hein. On pourrait appeler tellement de Jarl. Jarl de Valois. Jarl de Visby. Peut-être pas. Jarl de Gascogne. De Barcelone. Allez, venez les gars. Survivre un enfant, ouais, un enfant de plus qui meurt. J'ai plus de chroniqueur de la cour. Ah, ça c'est con par contre. J'ai besoin d'un chroniqueur de la cour. Arrêtez vos conneries. Si ça marche, c'est une nouvelle légende. Ouais, mais non, mais là c'est. Il est au seuil de la mort, papy!
Non. Ah, il a 6000 troupes! Ah non, alors ça par contre c'est non. Non, 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 tu viens là. Voilà. On va faire la bataille. Faut faire la bataille. Faut faire la bataille. Est-ce qu'il est dans l'armée? Est-ce qu'il est dans l'armée? Est-ce que c'est lui qui gère l'armée? Ah, le roi Ogni de Jérusalem a trouvé la paix dans les bras du Christ à l'âge de 70 ans. Il est mort de vieillesse. Homme consciencieux, il était réputé pour ses excellentes qualités d'intendant et de dirigeant. Le roi Gwerstan monte sur le trône, un diplomate accompli que les vassaux et dirigeants étrangers ne manqueront pas de respecter. Bon, c'est une victoire quand même. Attendez, ah oui, mais la première, on la perd. Donc on s'en fout. Guerre sainte pour royaume de l'Égypte. Ok. Par contre, elle, si elle perd sa guerre, qui hérite? Elle. Ce qui m'arrange pas, parce que je perdrai ce que je veux. Bon, on va repartir là-bas. Légende. Commencer à s'approprier. Chancelier, ok. Ça, ok. Maître espion, ok. Diplomatie, qu'est-ce qu'on a? Attentionné. Non, on va partir directement sur ça pour l'instant. On n'a pas trop le choix. Établir les distinctions. Oui, mais non, on peut pas. On n'est pas assez gros. Établir les distinctions, on peut pas. J'aimerais trop remettre le chevalier de la panthère, ça serait trop bien, mais vous pouvez rançonner l'émir machin, 100 balles, je prends. Je suis tellement pas bien. Je suis tellement pas bien. Ah, le jeu qui plante, quoi. Ah non, mais Ah, le vieux s'est vengé, ouais, non, mais complètement, Maro. Oh là là. Oh là là, le... Ouais, il y a peut-être le retour d'entre les morts, ouais. On va voir. Rien n'est assuré. On va bien voir. Parce que pour le coup, j'en sais rien. Je vous avoue que pour le coup, je sais pas. Ah non, non, bah non, on n'aura pas de retour entre les morts, là, pour le coup. Bon, bah, on va aller là, hein. Il n'y a plus de généraux, là, par contre. Si, si, oui. Alors.
Ok. J'ai pas de conjoint disponible. Hein. Oui, parce que mon épouse est en guerre, donc ça aide pas. Et protecteur. On a perdu protecteur des lieux saints catholiques. Ah bah si, 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 ça c'est bon. On peut commencer à s'approprier. Ok, ça c'est bon. Chevalier aux mille fleurs. Alured. Alured. Alured, forcé. Mon demi-frère. Ok. Ça c'est bon. Allez, on y croit. C'est le stupide nain, mon meilleur chevalier gagne. Qu'est-ce que quoi? Non, on s'en fout. Ils sont dans le même camp, mais qu'ils arrêtent de se battre. Soyez pas cons, les gars. Oui, c'est celui qui est stupide. Il est pas nain, mais il est stupide, oui. Ah, je perds tellement d'argent là. Ah, ça va faire drôle, hein. Si on réussit à prendre l'Égypte. On va faire comme ça, hein. Essayer de se faire baisser un peu. Obtenir un divorce sur le champ. Bon, on est en train de faire un complot pour essayer d'assassiner le duc de Samogitie. Comme c'est que je peux pas utiliser. Ah si, j'ai 1200 balles. On peut soudoyer des gens pour augmenter le complot. Ok, ça c'est une victoire. On est à 37%. Ça me plaît. S'ils veulent faire les complots. S'ils veulent faire, voilà, comme ça, voilà. Bah, c'est bien les gars, vous avez compris les gars. Faites des sièges pour moi, s'il vous plaît. L'autre, il a pris le complot, comment ça? Bon, après, on ira aider notre épouse parce qu'on a besoin de récupérer la Champagne pour le meilleur, quoi. Son édition augmentée de 1. Ok.
Prisonnier, est-ce qu'on peut rançonner des personnages, s'il vous plaît? Mon amour à vagabond. Non, c'est non. Ça c'est ok. On a quoi? On a ça à aller chercher. Non, en fait, les Égyptiens, c'est surtout l'Empire arabe, Palseg. Oh, le moins 15 là qu'on arrive à tenir, je sais pas trop comment. Oh, le très loyal. Loyal, ça fait quoi? Diplomatie plus intrigue moins 1. Oh, on va pas prendre loyal. Duchesse Jeanne a atteint le très enceinte. Mais on a déjà deux fils, non? Dont un qui est intelligent, deux qui sont intelligents, c'est bien. Ok, c'est la victoire. On va aller chercher Boudaïra. Enfin, Bouaïra. Oh, il y a la maladie. Où ça, la maladie? La Sarkade? Putain, c'est juste à côté de chez moi. Enfin, pourquoi ça faut que ça tombe chez moi, quoi? Tibériade. On va peut-être se faire un hospice sur la capitale, ça serait pas si bête que ça. Par contre, je suis pas fan de la maison tour là. Tour de guet, tout ça. C'est pour l'infanterie lourde, mais je trouve ça à chier. Ah ben il est mort. Ma sœur est sauvée, donc félicitations à lui. Est-ce qu'on a le mort? On a lui, son épouse c'est elle. Ses enfants, elle est où maintenant? Elle est là-haut. Irlande. Ah, il y a toujours des indés. Ah oui, d'accord. Ça a l'air d'être le bordel là-haut, mais. Bon, on est à 75%, on va gagner l'Égypte, hein, je pense. Si l'Empire arabe ne réagit pas d'ici là, il a beau avoir 11 000 troupes, c'est la victoire. Hein. Ok. On va aller prendre Gizeh. 93%. C'est Kim, ma demi-sœur. Bon, on va gagner, hein. Je suis désolé, mais on va gagner, hein. Les Valois étaient une maison cadette, oui.
Bassal. Bon bah on est à 100% quoi. Ok. Faut pas être désolé, non mais enfin on quitte l'Empire d'Irlande en disant c'est trop simple etc. On va ailleurs etc. On arrive en à Jérusalem, bon, on gagne la guerre parce qu'on a l'armée d'Irlande. Et là, on est déjà après. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est un peu. Voilà. Elle a quasiment fini la guerre ici, donc on a un peu baissé les troupes. Ah, par contre, il faut qu'on. Oui, alors. Bah oui, on a fait venir du monde, donc forcément 17K troupes, on pouvait se permettre. Bon, on a ça dont on n'a pas besoin. On a la tête de chameau, faut arrêter la tête de chameau. La dondelée. Voilà. Bon, maintenant le problème qui en est un sans. Ah ouais, on n'est même pas la tête de la. On n'est même pas la tête de la famille. Bah pour l'instant, on n'est pas la tête de la famille, quoi, mais. Il y a 9 maisons. Parents. Toi, t'es quoi, toi? Fils de la comtesse, donc tu as hérité d'un duché d'un comté, courtisan de la duchesse, duché de Gascogne, etc. Accorder des titres, oui, on va lui accorder. Je pense qu'on peut lui accorder Damiette. Et le duché de Damiette. Ah, ça s'appelle Royaume du Delta? Ah non, Petit Royaume du Delta, d'accord. Ok. Bourgmestre de Sfaran. À 31 sur 5, non, c'est pas grand-chose. Alors, par contre, qu'est-ce que sont les duchés? C'est ça. Votre cousine et duchesse du. D'accord. Fils du comte Emerund. Et donc il va avoir un comté. Comté de Kerak. Ah, votre héritier et fils. Ah, c'est vrai qu'on a des fils qu'on va déshériter. Notamment cet enfant-là. Est-ce qu'on peut le déshériter? On peut pas le déshériter? Comment ça, on peut pas le déshériter?
Pourquoi on peut pas le déshériter? Pourquoi on peut pas le déshériter? Pourquoi je peux pas déshériter mon deuxième mon fils? Est-ce que c'est dû de ma légitimité? Mais non. Alors pourquoi je peux pas déshériter mon fils? Oula, Benoben, y a un problème là. Non, je suis pas en primogéniture, je suis bien en partition confédérée. Ok, j'ai pas forcément de nouveau compte de disponible. Je suis pas chef de la dynastie. Oui, mais ça va changer, ça, normalement. Parce que lui, il a 5000 hommes. Maintenant, je vais devenir chef de la dynastie. Donc, ça devrait le faire. Ok, bon. Membre vivant, peu importe. Tac, tac. Mais lui, non. Maladie de Cupidon. Ouais, mais ça, il n'y a pas de raison que je devienne pas chef de la maison, sachant que lui, il est de la dynastie Henri, je vais passer chef de la maison. Enfin, j'ai plus d'armées que lui, il n'y a pas de raison que je passe pas. Vous n'employez pas de nourrice. Oui, c'est cool. Envoyer l'enfant à l'université, peut-être pas, non. Pas au prix que ça coûte. Par contre, je vais me garder peut-être le Caire aiguisé. Ça fait trois territoires. Plus ce que j'ai, ça fait beaucoup. Ah, voilà, je suis devenu chef de la dynastie. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme joli comté? Il y a celui-là, là, qu'on peut donner, enfin duché qu'on peut donner. Donc il faut déshériter lui. Est-ce qu'il a tout? Non. Faut que je lui donne Bassana. Banassa, pardon. Ok, donc il aura son titre, ça c'est bien. Ouais, c'est le plus puissant chef de maison, mais ça forcément, je vais être le plus puissant chef de maison, parce que... Bon, après le temps que mes armées remontent, mais dans l'idée, on n'est pas si mal que ça.
Il faudrait que je stationne, non stationné. Stationné au Caire. Stationné à Gizeh. Et je referai les trucs propres après. Hein. Mais pour l'instant, on en est là. Ok, 22 sur 5. Ça veut dire que Alexandrie, tout ça me va pas. Est-ce que j'ai des nouveaux comptes ou quelque chose? J'ai rien du tout. Si, je suis chef de maison. Je suis chef même de la dynastie principale, donc c'est pour ça que ça m'embêtait un peu. Kazum, un temple à quelqu'un. Je pourrais pas avoir un... Parce que là, pour l'instant, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas tout. Pour l'instant, ça va pas du tout. Ça va pas du tout cette histoire. D'accord, le contrôle de Jérusalem, ça devrait le faire. Histoire d'amour de maison, ça je m'en fous, ça je... La lancée vers ski, ça m'embête un peu, bague. Bon, ça, je pense que ça va être détruit. La bague, on va la réparer. L'histoire d'amour, de toute façon, faut que je la répare. Et la pièce, je la répare. Le problème étant, c'est que pour l'instant, en fait, j'ai pas assez de... J'ai pas de nouveaux vassaux qui ont la bonne culture, la bonne religion. Et ça m'embête un peu. Alors, c'est le temps que ça se crée, etc. T'as pas des courtisans? J'ai quoi, votre invité français? J'ai un prisonnier. Courtisan. Votre maréchal. Est-ce que je peux mettre par le plus grand des hasards, est-ce que je peux mettre une de mes sœurs? Accorder des titres. Je peux pas. C'est à cause des catholiques. Le truc, c'est que pour l'instant, en fait, comme on n'a pas de territoire qui est à proprement parler de notre culture, on peut pas mettre, on n'aura pas les gens en question. Parce que là, on a quoi? Pour l'instant, on est à la légende, on est en train de se l'approprier, c'est bien. On a 27 comtés. Alors ça va pouvoir se propager sur l'Égypte, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Exige un artefact. Germissimol, tu vas te faire foutre. Ok, est-ce que ça permet d'avoir des gens nouveaux? Pour l'instant, la réponse est va te faire voir, quoi. Ok, ça marche. Promouvoir la culture.
Je vais faire ça parce que je faire glisser Gaza, je vois bien, mais pour l'instant, c'est pas la priorité immédiate. Est-ce qu'on a d'autres membres de la famille, membres vivants, des membres qui n'ont pas de trait, qui n'ont pas de titre ou quoi que ce soit, fils de la comtesse, earldom. Ok. Toi, t'es juste un courtisan. Et t'as rien du tout. Invité à la cour. Pourquoi il veut pas? Il fait chier en fait. Il fait vraiment chier. Bon. Votre neveu, Earldom de Osrege, ok. Fils du comte. Est un enfant sans lien de parenté. Ok, on va se garder ces deux cons-là. Repose-toi bien, Asmoro. Merci d'être passé. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Pourquoi ça marche pas? Pas un dirigeant, position vassale, tout, adulte, ok, homme, ok, non marié, libre, juste un 4. Mais pourquoi culture cab... Mais pourquoi je suis de culture cumbrienne, moi? Je suis de culture cumbrienne. Oh, mais sérieusement, je suis pas anglo-nordique. Oh, mais c'est pas vrai! Oh, ça me sert tellement pas. C'est quelle culture qui est là? Cumbrienne. Sauf qu'on peut créer une culture, je crois. On peut aller chercher la culture. Non, c'est là où on peut faire une culture. Culture arabe. On doit pouvoir créer la culture spécifique ici. Former une culture hybride. On n'a pas la culture Outre-Jourdain ou je ne sais quoi là. Comment on a créé cette culture en Outre-Jourdain? Islamo-saxonne. Ouais, mais là, non, on peut pas. On est cambrien, donc en fait, ça m'intéresse pas. Par contre, je comprends pas comment lui, il est cambrien, alors que lui était anglo-nordique. Parce que la culture cambrienne, on perd énormément, en fait. Est-ce qu'on peut adopter. Anglo-nordique, est-ce qu'on peut faire ça? Un tuteur un peu trop zélé. Ouais, ma femme est un tuteur de culture. Éduquer enfant. Anglo-nordique.
Ok, on va faire comme ça. Et on va chercher pas forcément Cambrian, mais tout. Et je vais regarder. On va faire avec ce qu'on a sous la main, quoi. Parce que sinon, là, en fait, je me tire une balle dans le pied, donc c'est pas intéressant. Le Sinaï, c'est tout ça. Et j'ai besoin de baisser vraiment les points parce que sinon ça va être une catastrophe. Accordé. Je vais te mettre Alexandrie. Alexandrie, c'est ça. Ok, ça c'est quoi? Le Cyrénaïque. Accordé. Ouais, je veux la culture de Man, moi. Parce que Man n'est pas Cumbrienne. Hein. Man est bien de culture anglo-nordique. Hein. Elle est anglo-nordique. Donc, moi, je veux pas être de culture Cumbrienne, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en effet, le protecteur de lieu saint, ça soit bon, et qu'à partir de là, on a 29 baronnies, c'est pas énorme, mais ça va progresser. Arranger les fiançailles entre ma sœur. Royaume de Hongrie. Ok. Bonne nuit à toi aussi, Falsec. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter le live aussi, pour le coup. Donc, bon, j'ai perdu des armées, mais c'est normal, mais ça va revenir. Donc, on est largement plus gros que notre voisin. Donc, c'est pas un problème. Ok. Voilà, déjà, on est un truc qui est beaucoup plus acceptable. Bon, j'ai pas de conjoint disponible à la cour, mais ça c'est normal. Ouais, l'Empire arabe, on l'a sacrément diminué. Hein. Il a 12 000 troupes et... Elle a quand même 12 000 troupes en fait. Veux-tu à la bataille? On aura fait ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Ok, mon fils est de culture anglo-normande, enfin anglo-nordique, c'est parfait. Ça me va, ça me va, ça me va, on a déjà rétabli ça. Oh, on peut demander de l'or, ouais, 400 balles. Oh, l'Empire arabe a de nouveau des problèmes de guerre, parfait. Est-ce que nous, on obtient... Est-ce que là, on a quoi?
De toute façon, on est obligé de voir pour la conversion. Ça, c'est la conversion est obligatoire. De toute façon, on n'a pas le choix. Quasiment tout le territoire est catholique, d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle. Une faction militaire, faction du peuple Acarite. Ok, ouais, bah, de toute façon, ça, on n'aura pas le choix que de l'affronter. Allez, on monte les impôts du pays. Bon, on a 7000 troupes sur les 7100 qu'on pouvait avoir. Je suis pas si mal que ça. Ah, l'anniversaire. Alors, on va prendre le petit pour cette fois. Ça sera une broche. C'est pas grave. Au contraire. On va faire la conversion du Caire. Donc, la conversion du territoire est plutôt pas mal. Il nous manque plus que ce territoire-là à convertir. Mais ça, plus que Acre. Mais on va faire le Caire, Gizeh, etc. Je pense qu'on sera assez bien. Le nouvel artefact qu'on a eu, on va le revendre tout de suite parce que j'ai pas besoin de 150 broches. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le live de ce soir. Donc on sera passé d'un beau royaume, enfin d'un bel empire d'Irlande qui est en train de partir en cahuète et que... Bah apparemment, ouais, pour une raison que j'ignore, le grand prince est en train de foutre le bordel chez ses vassaux. Donc en fait, il est en train de retirer la Champagne à notre épouse. Donc ça va nous donner des casus belli, on verra si on va les chercher ou pas. En tout cas, on s'arrête là. Merci à vous pour votre présence et votre participation. Est-ce qu'il y aura un live demain? Je ne sais pas. Prochain live de sûr, c'est mardi soir. Sur quel jeu? Je ne sais pas encore. Voilà, sur ce, passez une bonne soirée, un bon week-end, au prochain live et d'ici là, portez-vous bien. Salut!